Ouais, yo les potes, c'est Pégase, comment vous allez? Moi je suis super bien, nouvelle vidéo potes. Aujourd'hui poisson, on veut du poisson. Donc on est en compagnie de monsieur la grosse tarlouse de Ghost. De toi tapette. Hein, donc voilà, aujourd'hui on fait du poisson. Les gars, on a trouvé un petit endroit. C'est moi qui ai présenté à Jordan parce qu'il il connaissait pas. Voilà, donc de toute façon je vais vous montrer ça des amis. Donc là on va boire un petit coup, fumer une clope. Il a pris les croissants, donc on va manger 2-3 croissants avant de... Ah, donc voilà. Donc là aujourd'hui les gars, je vous dis poisson. Donc poisson, poisson, poisson. Parce que 5 vidéos, 0 poisson, c'est pas normal. Donc là aujourd'hui on en fait un, il est quoi, il est 8h10, 8h10. Donc là on va se préparer, dans 10-15 minutes on va commencer à pêcher. Donc voilà, c'est parti, abonnez-vous, n'hésitez pas à aller voir les 2-3 autres parties que c'est disponible sur YouTube, de toute façon, dans tous les cas. Et puis c'est parti les amis, on y va. Maximum de likes, d'abonnements et sa chaîne en description. Bisous les coltiens. On a fait quoi, une petite demi-heure je pense. On a dû pêcher une petite demi-heure, un spot en haut, un spécial. Là je suis parti avec un petit leurre comme ça à l'anglaise. Comme il n'y a pas beaucoup de fond, il y a beaucoup d'herbiers, donc du coup j'ai posé directement ça. On était juste en haut là, on a fait une petite demi-heure. Lui il a fait une petite touche. Donc là, là les potes aujourd'hui, je vous le dis les amis. Je vous le dis les amis. Aujourd'hui, c'est poisson. Aujourd'hui, c'est poisson, poisson, poisson les amis. Allez. Hop. En plus on est à l'ombre là, on est bien. Bon, je sais pas s'il y a un petit peu plus de fond ici. Mais là on est bien. Bon, j'ai mis directement une batterie sur la GoPro, comme ça au moins elle reste toujours chargée comme il faut. Ah, je pense qu'il y a un petit peu plus de fond ici. Hein. Un petit peu plus de fond parce que là-haut c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de fond. On a hésité à prendre les bodyers aujourd'hui mais finalement on l'a pas pris. Donc sûrement la prochaine fois, on verra bien. Mais à peine arrivé, il y a eu un remous ici, un brochet là, qui a sauté. Oh, on aurait cru une tanche. C'est le tangiste, regardez le tangiste, il est là-haut. Le tangiste. Mais aujourd'hui, on sort du poisson. Après, qui va sortir le premier poisson? Est-ce que c'est moi ou c'est l'autre tangiste là-haut? Mais lui, déjà, il a une belle touche. Moi, pour l'instant, j'ai rien. Donc je vais faire encore 5-10 minutes de celui-ci. Et si j'ai pas de résultat, je vais changer peut-être pour quelque chose avec une palette. Donc je vais voir. Mais là s'il y a un petit peu plus de fond vers le bas, je pense que je vais changer là. Mais bon, donc voilà. Aujourd'hui, poisson. Aujourd'hui, fiche. Tu vois le signe de charpe? Hein? Et depuis tout à l'heure, moi j'ai pas le bouton rouge sur la GoPro, il y est pas, hein, ouais. Vu qu'elle est chargée à fond. Oh, j'avais une touche. Putain, il a tapé deux fois. J'ai ferré, mais ça a pas pris. J'ai senti, monsieur, j'ai senti. Oui, déjà une touche, monsieur, oui. Je suis fou. Oh. Oh, il m'a... Ah bah, mon leurre, il est mort. Le mec, ça m'a ennuyé. Comme dans les vidéos, quand ils disent « Oh putain, c'est gros !» Et puis le truc, il fait 10 cm. Voilà, regardez comment... Voilà, il m'a bouffé mon leurre, il m'a laissé un cheveu. Regardez, j'ai un cheveu. Voilà. Là, j'ai les crocs dedans, là. Voilà. Mon leurre, il est HS. Voilà. Je vais relancer au même endroit, les potes. Et là, je vous le dis, la fusion. Là, je te dis, Cyril, il a du souci à se faire. Parce que les poissons, c'est moi qui vais tous les prendre. Voilà. Allez, je relance au même endroit, les potes. Toujours avec l'heure à l'anglaise. Ah, j'ai senti. Et à chaque fois, je pense pas à ferrer. C'est ça le problème. Ou je vais faire trop tard. Genre, je vais faire quand il n'y a plus de poissons, moi. Ça va pas, mais c'est parce que je suis pas habitué. Il y a parce que... Vous avez vu les endroits où on pêche? Eh bah du coup, il n'y a pas de poisson. Mais là, il y a du poisson. Alors du coup, là, j'ai plus l'habitude, c'est... Moi, je suis perdu.
Je fais des erreurs du débutant. Mais c'est normal parce que je suis un débutant. N'oubliez pas ça. Regardez la tanche. Lui, la tanche, ça fait une demi-heure qu'il ne pêche plus. Ah oui, voilà. Regardez-le. Voilà. Avec ses lunettes, il croit qu'il est professionnel. Voilà. Bon, du tout, une touche pour moi, une touche pour Clo-Clo. Je relance au même endroit. Toujours avec la canne à pêche, la nouvelle. Voilà, ma nouvelle canne à pêche d'Iowa. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, les potes. Hein. Elle est sortie la semaine dernière. Je vous présente tout ça. Et d'ailleurs, je vais peut-être me mettre un de mes nouveaux leurres que je me suis acheté. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, frichande. Allez, potes, on like. Et dites-moi dans l'espace commentaire si vous pensez qu'on va faire du poisson aujourd'hui. Dites-moi-le. Mais aujourd'hui, moi, je le sens pas. Parce que là, il est 8h40. On pêche qu'à 13h30. Donc, on a un petit peu de temps. Oui, monsieur. Non. Non. On n'a pas de temps. Vite, fiche. C'est parce qu'il a un petit souci de batterie, les gars. Voilà. C'est parce qu'il l'a pas rechargé, mais il croit qu'il a de la batterie. Il a rechargé au max. Prochain lancer, les gars. J'annonce poisson. Perche de 42,1. Allez, là j'annonce. Regardez bien. Regardez. Regardez bien. Hein. Regardez. Hein. Là je vais ramener. J'arrête. Je ramène. Tout est dans la technique. Regardez. Regardez. Là je sens le fond avec mon leurre. Donc là, je le fais monter, je le fais descendre. Tout est dans la technique. Regardez. Là on attend. Hop. Hop, là, poisson les gars. Là, je vous le dis. Là, tout est dans la finesse. On recule un petit peu. Hop. Bon, je peux plus reculer parce qu'il y a un arbre, mais regardez. J'annonce la couleur. Non, il n'y a pas de poisson. Je lance un petit peu plus haut. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon, je pense qu'il doit avoir peut-être un petit peu de fond. Légèrement, je pense. Donc, on va voir ça, les amis. Et celui-ci, j'aime beaucoup avec les nageoires, les bouts de nageoires en orange, tout en gris. Franchement, il est vraiment top, 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 celui-ci. J'aime beaucoup. Voilà. Allez. Allez, c'est parti les amis. En tout cas, là il est quoi, presque 10h. On a commencé à pêcher une petite heure. Une touche pour moi, une touche pour lui. On est encore 3h30, 3h40 à pêcher. Donc j'espère qu'on va avoir du poisson. Lui, il est toujours en train de faire ses réglages depuis tout à l'heure. Hein. On est côté de 86 à 80%. Oui, et puis quand on va d'ailleurs chercher la batterie. Dites coucou, coucou Ghost. Coucou Ghost. Bon, bah, il fait un fuck, on s'en fout. Ok. Ok, ok. Moi je suis content, ma batterie est à 99. Ça c'est parfait, monsieur. Mais là, comme je lui ai dit, ici il voulait pêcher là, mais à mon avis, je pense pas qu'il va y avoir trop de poissons ici, je pense. Hein. Avec le courant juste ici. Mais bon, on va faire confiance à l'expert, même si l'expert il a pas beaucoup de poissons dans son actif. Mais bon, voilà, on va faire les choses bien, on va pêcher un petit peu plus bas après, tester différents leurres, différentes cuillères. Je pense qu'une fois qu'il y aura plus de profondeur, je vais prendre le spinner bait, je pense. Mais là je vais partir sur des petits leurres. Voilà, voilà les amis. Donc voici les nouvelles du jour. Et voilà. Ça me paraît vraiment pas mal. Je pense que là,
Il y a vraiment moyen. Bon, l'eau est très sale par contre. Avec toute la flotte qu'il y a eu, c'est normal. Mais je pense que ouais, je pense que je vais changer de toute façon. Je vais partir sur un spinnerbait ici. Ouais, je pense que je vais partir sur un spinnerbait. Faire 2-3 lancers, voir et on verra. Ok. Mais l'eau est vraiment. Toute la terre qui a remonté, toute la vase là au fond là. Oh j'en ai un, Oh, oh oui, j'en ai un. Oh oui, il y est monsieur, il est là. Oh, oh, oh c'est gros. Oui monsieur. Oui, oui, oui. C'est une petite perche. Oui. Ah c'est une perche. Belle perche. Oui. Magnifique. Oh les puisettes. Les puisettes. T'as vu ça va sortir les puisettes comme ça. Oh putain. Oh t'es. Oh mais tu es bête. Oh mais je savais pas. Tu es bête. Elle est là. Pas sorti. Ah mais trop tard. Alors toi. Alors toi. Bah j'ai pas à sortir comme ça si. Tu peux la sortir, tu la sors comme ça. Ça se décroche vite hein. Oh. Oh, tu vois qu'il y a des perches. Alors, oh toi, non j'en ai vu un des bêtes comme toi, mais... Ah, elle était belle. Bah ouais, mais voilà. Elle, je l'avais moulinée jusqu'en haut. Ah, voilà. Donc si je faisais ça, elle aurait été là. Mais c'est vrai, tu la lèves, tu la mets déjà hors de l'eau, ça. Oh, non Non, reviens. Oh je suis dégoûté. Oh je suis dégoûté à l'ondulante les gars. Ah oui, voilà. C'est ce que les choses qu'il ne peut pas faire. Voici un débile. Mais c'est parce que je voulais la mettre dans la traillade. Mais non, mais pas dans la traillade, tu t'en prends. C'est une petite perche. Oh ah, je les réveille hein. Avec l'ondulante mon pote, je pensais pas que ça allait les faire réagir autant. Hein. Franchement. Ah les potes avec l'ondulante, tu vont franchement. Ouais, il s'énerve hein. Là, je sens bien que je vais faire mon deuxième poisson les potes. Sauf que là, le premier, c'était une erreur, c'est normal, c'est le premier. La première fois, c'est jamais évident. De toute façon, vous savez bien comment ça se passe. Pour ceux qui ont fait leur première fois, c'était jamais, c'est pas la meilleure fois hein, qu'on a fait. Hein. Mais bon, on se rattrape sur les prochaines. Et après, tout va bien. Voilà. Hein, vous êtes d'accord avec moi, les gars? Voilà. C'est comme les crêpes, la première est toujours loupée. Voilà, c'est pareil. Mais bon, on va se ressaisir. C'est parce que je voulais la mettre dans la traillade aussi, c'est pour ça. Parce que j'aimerais mettre un poisson dans ma traillade. Mais bon, j'aurais pas dû. Et j'aurais pas dû ramener le poisson jusqu'au bout de ma canne. Parce que du coup, quand je lève la canne, bah, il aurait été en haut. Donc voilà. Et c'est vrai que j'aurais dû desserrer comme ça avec mon câble. Mais voilà, c'est les erreurs.